Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Oh là là, mes trois poils sur le caillou là, mes boutons. Oh, je ressemble à rien, attendez, on va prendre du recul. Bref les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu titré à la miniature, comme d'habitude, on est encore sur un épisode avec ma copine pour faire la transformation de la 50. Voilà, on change vite fait l'esthétique. Il nous aura fallu quand même 3 épisodes juste pour monter guidon, poignet, levier, cache allumage. Et vraiment, on est des brels. Mais les mecs, vous kiffez ça et moi je kiffe le faire avec. Du coup c'est super cool, on rigole bien. Du coup si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se dit quoi, 3000 pouces bleus, je vous ressors une vidéo. Là on est lundi, il n'y a pas de vidéo qui sort le lundi. Vas-y. Tu sais quoi, il y a eu un petit bug dimanche, du coup bah voilà, lundi, je m'excuse, petite vidéo. Si vous voulez une vidéo mercredi, bah vous mettez 3000 pouces bleus, il y en aura une et puis voilà quoi. Si vous voulez les mecs qu'elle teste la 50, parce qu'en vrai ça, ce test il est attendu, mais elle veut pas trop le faire parce qu'elle redoute. Les mecs, donnez-lui de la force dans les commentaires, mettez les pouces bleus, la bombardez. Et au moins si je vois qu'il y a masse pouces bleus, je lui dirai ok, là tu ne peux pas fuir ton destin, tu dois le faire frérot, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, vous allez encore péter un câble dans cette vidéo parce que quoi, qu'est-ce qui s'est passé avec les leviers, encore une dinguerie. Et je vous promets que ça, j'ai trouvé l'alternative. On va se faire un truc plutôt pas mal. Je vous propose de le faire en live sur mon Instagram. Du coup venez me suivre sur Instagram et on finira tout simplement avec les leviers et je vous montrerai le résultat en live. Et je pense que du coup pour vous, pour que ça soit cool, je vais vous faire gagner une paire de gants. Voilà, donc j'ai une paire de gants Fox que je suis allé acheter juste pour vous les mecs, taille M. Du coup si vous êtes des grandes mains, bah vous pourrez peut-être pas participer, mais je sais pas, vous allez les offrir à je sais pas qui. Bref, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, on se fait ça dans la semaine. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Mettez les pouces bleus, abonnez-vous, vraiment, on est bientôt 100 000, vraiment, c'est un kiff. Je force, je suis un forceur, mais les mecs, les 100 000 quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est pas tous les jours. Du coup, abonnez-vous, merci à tous et bonne vidéo, les mecs. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve avec la 85SX. Et aujourd'hui, on va enfin vous faire la partie 2 de la transformation tant attendue. Vous avez kiffé la dernière vidéo avec. Donc si vous voulez qu'elle revienne pour tester la 50 ou la cross ou la nouvelle moto qui arrive dans 3 semaines. Quoi? Bref, vous mettez combien de pouces bleus? Annonce les chiffres. On est à 6000 sur l'autre vidéo qui a été postée il y a 2 jours. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est dans la description et sur mon Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, on en profite, il est juste là. Et il y a le concours qui sera encore... Attends, tu peux vite là. Ouais. Et le concours, il sera encore effectif. Voilà. Bah 8. 8, je trouve ça raisonnable. C'est vrai? Ah bah c'est Renaud Lapince. Non, 8, c'est Renaud Lapince. 8-5. C'est Renaud Lapince. 8-5, elle revient les mecs. Bref, on perd pas plus de temps, on a du temps. On va vous faire le guidon, le cache allumage. On va tout bien faire le poste de pilotage. On va vous faire un avant-après version télé-shopping. Sur ce, c'était Léo et Jade. Et bonne vidéo. Yeah. Ok les mecs. Non mais en gros, vous voyez, elle est un peu grande quand même. La taille de mon gros chibre. Tadam. Bon les mecs, je pense que vous en battez les couilles du cache allumage. Donc c'est la chose qu'on fera en dernier. Là ils veulent le guidon. Ils veulent le guidon. Ouais, moi, non, ils m'ont dit on veut le guidon. Donc on fera le guidon. Vous ça... savez pas insulter que c'était pas le cache allumage, c'était autre chose. Ah ouais, si, non, j'avais dit c'était autre chose. Le cache embrayage, je crois. Bon, on va ouvrir ça. Le colis, ça fait 2 mois il est dans le garage. On va pas refaire une présentation des produits, on les connaît déjà. Donc ouais, là on va bon, direct au charbon. Tiens, je t'envoie la cam. J'avais bien aimé. Hop, allez. On suit avec pas, gros, attends, ça suit pas à l'usine là, ça suit pas. On va te licencier. Allez, et attendez, je rappelle bien évidemment que nous avons monté ce bon rétro pour au final le démonter. Ok? Ok. Je le rappelle quand même. C'est vrai. Là, bon, vous le connaissez déjà, donc en vrai, ça sert à rien de le présenter. Non, on va chercher les outils et on y va. Voilà, allez, pas chercher. Alors déjà, pas chercher les outils. Pour enlever ça. Ok. La mousse qui sera. Ça. Ça. Les mecs, cette mousse là elle est super, voilà, vraiment. Elle est magnifique. Non, en vrai, elle est belle. Non, en vrai, et je l'ai payée, c'est même pas un partenariat. Donc, si vous voulez que je vous fasse gagner une mousse de ce type, bah vous me le dites dans les commentaires. Bah, si en fait, moi je suis chaud pour vous en offrir une, on la payera à deux, y'a aucun souci. Non. En plus, je suis sûr que cette merde ça coûte 50 balles. Alors, attends, il faut que je repère un petit peu. Alors, attendez, parce que là, ça va être compliqué de repérer tout ce qu'il faut. Hein. Je vais vous montrer à la caméra, les mecs. Les professionnels en sueur. Bon, là, on a la petite Derby posée sur son petit lève moto. Hop, l'employé qui est derrière. Et donc, là, je sais, là, j'ai les outils pour. Ça, donc, ça, on va pouvoir l'enlever. Mais alors, après, le bordel, là. Avec quoi on pourra enlever ça? Une petite clé, ça va s'enlever là. Ok, faut toujours analyser de ce qu'on a besoin avant. Faire ça, c'est toi qui l'as monté, donc tu pourras le démonter. Les gens, ils ont dit que c'était toi en plus, non. Moi tu m'as même pas laissé faire. Là on a le poste de pilotage avant. Est-ce que tu l'aimes bien là, le poste de pilotage avant là? T'aimes bien en noir? J'ai vraiment super chaud les mecs, mais je peux pas vous l'ouvrir parce que ce matin j'ai fait le crapé en déjeunant et du coup bah j'ai un petit peu de chocolat. Donc je peux aller jusque là mais j'ai un petit peu chaud.
je vais te laisser faire. Non, en vrai, je vais. Toi, je vais te laisser faire. Je vais te faire, toi t'installes le nouveau, ok? Non! Non? Non! C'est ma vidéo! Ah! Alors là. Je sais pas comment. Là, tu vois. Oh, ça rentre. Vous allez bien, les mecs? Vous avez eu votre bac? Vas-y, raconte pas ta vie. Ouais, on va pas leur dire nos notes. On n'a pas envie. Parle pas de ça parce que. 50 000 pouces bleus, on dit les notes. Ok, ça vient. Par contre, les mecs, quand on veut changer un tirage rapide, c'est galère ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà changé des tirages pour me dire si c'est galère ou pas? Parce que moi, j'aurais bien envie d'en changer de tirage, mais je sais pas si c'est galère ou pas à changer. Bon, d'ailleurs, c'est 50 Factory qui nous a envoyé les pièces. Vous voyez mon cul, hein? Vous êtes bien? Vous avez. T'es mécanicien? Ouais, moi, je change des guidons. Je suis en train de tirer là-dessus, là. T'as trouvé? Ouais. Ouais. Bon les mecs, je me déshabille. Hein. Hop, intro porno. Ah mais tu me casses les couilles. Bon là les mecs, je vais vous montrer les tâches effectuées. Moi j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé l'autre côté aussi, tout est bon. Là, elle est en train de nous démonter son petit rétroviseur. Bref, moi les mecs, je m'attaque au milieu. Vous avez vu, là il était rouillé le guidon. Je m'attaque au milieu, on va enlever ça et puis je pense qu'on sera ready pour installer l'autre. Les nouvelles poignées qui sont juste là et ça sera nickel. Normalement si on soulève ça sort. Ouais. Et là si je suis intelligent. Oh mais attends, j'ai vraiment 600 de QI. Bref les mecs, il n'y a plus de guidon. Là c'est une sans guidon. Oh elle fait pitié, on dirait qu'elle pleure de devant. Je m'en bats les couilles. Vous voyez elle pleure là. Vous voyez, ouais, des petites larmes. Là, elle... C'est parti. Attends, moi j'ai une suggestion. Ouais vas-y, dis-nous ta suggestion. Okay. Donc en gros vous voyez sur ce guidon là, bah, il y a une barre. Mm-hmm. Et sur l'autre guidon, mm-hmm, bah, il n'y a pas de barre. Ça s'appelle une barre de renforcement, Jenson. Et donc... d'ailleurs je vais m'adresser à la communauté pour savoir si je suis obligé de la garder, la barre de renforcement. Parce que moi j'ai pas envie de la garder, j'ai envie de mettre une mousse ici. Du coup les mecs, dites-moi si je dois garder la barre de renforcement ou pas. Exactement, vas-y pose-nous le guidon, voir si ça va faire beau. Comment je pose? Comme ça? Ah ouais, non, là, non, non. Ouais, là, on a pas une Harley Davidson, carrément. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, les deux trucs là, ouais, et bah, ils vont pas dans les... Normalement, ils devraient aller là. C'est carrément plus lourd, hein. On va gagner du rapport poids-puissance. Bon, bah, les mecs, ça s'enlevait pas, hein. On l'a enculé, les mecs, donc ne l'enlevez pas, voilà. J'ai fait l'expérience pour vous. Vous pouvez nous dire merci, quand même. Donc les mecs, vraiment dites-nous parce que les grips ils sont pas au même endroit ce qu'ils devraient être, donc est-ce que c'est normal ou pas? On verra les mecs ce que ça donne. Ah oh, putain, on aurait peut-être dû mettre ça. Ah voilà, regardez les mecs, l'erreur de débutant. On va pouvoir le faire comme ça, hop. Alors, faut juste remettre la poignée de gaz. Je pense qu'il était comme ça, voilà. Hein? Il va tenir le bazar? Non! Ah bah! Mais wesh. Les leviers, on fera encore une autre vidéo pour monter les leviers. Wesh, les gars, on va se retrouver avec 50 vidéos. Oh, c'est cool. Ok. Regardez les mecs à quelle distance mon frein il est du coup. Là il y a un vrai souci. Là il y a un vrai souci, regardez. Je suis là, mon frein il est là. Donc à mon avis le tirage, à mon avis il va falloir le rapprocher. Sinon ça va, ça tire. Tu fixes ça au-dessus de ta GoPro, hop, et regardez les modes. Hey. C'est même pas un placement de produit, je l'ai payé ce bazar. Hein. Bon et hey, là vous allez péter un câble parce qu'on n'a pas encore fait les leviers. Mais comme je l'ai dit, je vais le faire en live sur Instagram. En vrai je vais essayer de faire un petit événement assez cool. Et les mecs, vraiment les 100 000, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Ce qui se prépare les mecs, vous allez casser votre tête. Bref, au niveau de cette moto, je pense que déjà esthétiquement on peut plus trop rien changer. Dites-moi si vous voulez les pièces moteurs en rouge, je vais vous les montrer. Donc voilà, 50 Factory, ils font aussi tout ce qui est toutes les pièces moteurs. Donc si vous voulez que je mette un kick rouge, que je mette, je sais pas moi, des petites pièces anodisées rouges, les calpis ou quoi, bah je peux le faire. Donc à vous de me le dire si vous voulez, je le fais les mecs. En vrai, on pourrait même mettre une petite chaîne tuning, un petit pignon tuning, j'en sais rien. Elle est toute dégueulasse alors qu'il y a pas longtemps, on est allé la laver. Pour ceux qui ont la ref de la vidéo, hein. Bref, en tout cas les mecs, si vous êtes arrivés encore jusque là, mettez-moi Team Go 100K dans les commentaires et puis répondez à mes petites questions parce qu'en vrai c'est des questions que je me pose et en vrai je prends du niveau en mécanique entre guillemets grâce à vous parce que vous me donnez plein de conseils et c'est vraiment super inspirant. Est-ce que ça se dit? Non, ça se dit pas. C'est super cool les mecs. Bon, il y en a, ils font de manière forte mais bon, ils sont gentils dans le fond. Mais merci de me le dire parce que vraiment il y a des... Moi j'y connais rien à ces trucs de mécanique là, mais vas-y, on apprend, c'est la passion. C'est la passion, c'est la passion avant tout. Passionné frère. Du coup, pour ceux qui ont les questions à mes réponses de pourquoi du comment, pourquoi, comment on fait pour enlever la barre de renforcement, pourquoi ça on peut pas l'enlever, est-ce que c'est dangereux ou pas, frérot, tu m'aides, s'il te plaît. Allez, sur ce les mecs, je vous embête pas plus,
Bonne soirée à tous, ça me tue les yeux. C'était Léo, salut.